Grève à la SNCF, mobilisation modérée contre la réforme et de nouveaux mots d'ordre pour mardi prochain. En Algérie, obsèques solennelles du leader syndical assassiné mardi dans ce journal en direct d'Alger. Le témoignage de Nicole Nota présente à cette cérémonie. Grande première en France, un jeune Lillois met en place un numéro vert pour tenter de retrouver les assassins de sa mère. Le nombre de petits Français obèses ne cesse d'augmenter, 10% sont en surpoids. En fin de journal, les nouvelles fraîches du leader du Vendée Globe, Christophe Auguin, toujours dans les temps pour boucler le tour du monde à la voile en moins de 100 jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Le trafic ferroviaire a été perturbé aujourd'hui sur l'ensemble du réseau à la suite d'une grève des cheminots qui réclament, vous le savez, l'abandon d'un projet d'éclatement de leur entreprise en deux entités distinctes. Selon la direction de la SNCF, le pourcentage de grévistes était d'environ de 30% ce matin. Reportage à Bordeaux où la mobilisation était importante. François Privat, Bruno Artois. Un TGV au départ. Moment plutôt rare aujourd'hui à la gare de Bordeaux. Sur les quais, quasiment désertés par les convois, on a beaucoup attendu, avec patience ou colère. Il faut bien défendre son beefsteak, hein. Moi je suis ancien cheminot aussi. Chacun défend son beefsteak comme il peut, mais enfin ça embête quand même le public. Ça m'emmerde quoi. Là, c'est comme ça, la semaine dernière c'était les bus, cette semaine les trains, la semaine prochaine les bus, là les grèves, il y en a un peu marre. C'est une entreprise publique. Peut-être que je pense que si c'était privé ou si c'était une concurrence privée, ben, ça nous aurait servi parce qu'on aurait pris quelque chose de privé. Sur le réseau ferroviaire du Grand Sud-Ouest, la grève a été très suivie. Environ un train sur trois circulait sur les grandes lignes, un sur cinq sur les lignes régionales. L'heure du bilan, ce soir, au siège de la section locale de la CGT, les cheminots envisagent même une suite à ce mouvement. Effectivement, dans nombre d'assemblées générales, se manifeste de plus en plus l'idée de se faire respecter et d'empêcher le gouvernement de tromper l'opinion et de faire la peau au statut des cheminots. Les heures d'attente dans le hall de la gare sont ponctuées par les discussions entre usagers. Un train annulé, ça permet même de prolonger les adieux. Ce mouvement de grève entamé hier soir doit en principe se poursuivre jusqu'à demain matin, 8h. Tout de suite, nous retrouvons en direct de la gare de Montparnasse, Françoise Laborde. Oui, activité ralentie en effet, mais activité tout de même ici à la gare Montparnasse. En fait, on va le voir, la mobilisation a été très variable d'une région à une autre. Disons que dans une zone Grand Sud qui va de Bordeaux à Nice, la mobilisation et les perturbations ont été importantes, surtout sur les lignes secondaires. Pour autant, on ne peut pas parler de grève massive, 30% de grévistes selon la direction, essentiellement parmi les conducteurs. Alors, une mobilisation donc moyenne qui s'explique en grande partie par l'hésitation des syndicats. Il est vrai qu'avec une dette faramineuse de l'ordre de 200 milliards de francs, la SNCF peut difficilement faire la fine bouche puisque l'État propose de reprendre une partie de la dette, les deux tiers, soit 134 milliards de francs. Sans oublier les subventions versées chaque année à la SNCF de l'ordre de 52 milliards. Tout ça fait que effectivement la situation financière de l'entreprise est très hasardeuse et explique pourquoi il y a une nécessité de réforme reconnue par tous, même si chacun hésite évidemment sur les bons chemins de la réforme. En tout cas, le trafic devrait retrouver une activité normale dès demain, en attendant peut-être d'autres perturbations, puisque la CGT envisage de nouvelles grèves le 5 février, jour du départ en vacances pour les enfants scolarisés à Paris et dans la région bordelaise. Merci Françoise Laborde. Les habitants de Toulouse, toujours privés de bus, et cela pour la quatrième journée consécutive, les chauffeurs de bus réclament l'application d'un accord sur le temps de travail à 35 heures hebdomadaires et la retraite à 55 ans. À Tournai en Belgique, condamnation à 13 ans de prison d'Omar Zemiri, le survivant d'une bande de malfaiteurs démantelée à Roubaix en mars dernier. Omar Zemiri était poursuivi pour prise d'otage et tentative d'homicide contre des policiers belges. Il a donc écopé de la peine maxima encourue. Omar Zemiri, français d'origine algérienne, fait également l'objet d'une demande d'extradition de la part de la France pour y être jugé pour plusieurs attaques à main armée. En Algérie, obsèques solennelles du leader syndical Abdelhak Ben Hamouda, exécuté par quatre tueurs mardi en plein centre d'Alger. Des tueurs pour l'instant non identifiés. Thierry Tuillier. L'Algérie libre et démocratique. Ce sont ces cris venus de la foule qui vont accompagner le cercueil d'Abdelhak Ben Hamouda jusqu'au cimetière. Les obsèques sont nationales à la mesure du personnage. Il y a là tout ce qui compte en Algérie. Le président Zeroual, bien sûr, et le gouvernement au grand complet.
dans l'assistance, fait exceptionnel, car les femmes n'assistent pas normalement à l'inhumation, il y a Nicole Nota. Elle est l'amie de la famille. L'émotion était déjà grande quelques heures plus tôt à la Maison du Peuple, le siège du syndicat d'Abdelhak Ben Hamouda, la même où il a été assassiné mardi après-midi. Avec la femme et les enfants du leader syndical, Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger, beaucoup d'anonymes venus se recueillir une dernière fois. Il y avait aussi les délégations de FO, de la CGT, de la CFDT. Parmi les Algériens présents, l'hommage est unanime. C'est un espoir, certes, qui est annihilé, parce que Mahmoud a dérangé trop. Belhamouda, c'est le père des travailleurs. Belhamouda, c'était un espoir non seulement pour les travailleurs, mais pour toute l'Algérie. Avec la volonté de Dieu, la vie va continuer. Il existe encore des militants. Ben Hamouda est mort, mais il reste encore des milliers de Ben Hamouda. Abdelhak Ben Hamouda repose dans la même allée que l'ancien président Mohamed Boudiaf, lui aussi assassiné. Celle réservée aux grandes figures de l'histoire du pays. Les Algériens l'ont baptisé le carré des martyrs. Parmi les personnalités qui ont assisté ce matin à ces obsèques solennelles, on l'a vu, Nicole Nota, secrétaire générale de la CFDT, particulièrement émue. Nicole Nota qui est avec nous en direct d'Alger, bonsoir. Vous connaissiez très bien la victime qui avait été acclamée lors de votre dernier congrès à Montpellier. Oui, je le connaissais et je peux vraiment témoigner que pour un syndicaliste, c'était un syndicaliste droit, un syndicaliste authentique, un syndicaliste qui avait une obsession, c'est de faire entrer son pays dans la démocratie, qui savait qu'en même temps, il fallait faire à ce pays une mutation économique et sociale. Il savait parler aux gens de manière simple, mais de manière vraie. Et d'ailleurs, on a vu aujourd'hui, j'ai vu aujourd'hui combien toute cette foule lui disait merci et, je pense, avait envie de lui dire que peut-être il était mort, mais que la cause qu'il avait défendue, elle, n'était pas morte. Nicole Nota, vous avez rencontré aujourd'hui beaucoup d'Algériens. Est-ce que vous avez perçu une résignation ou au contraire une colère, une volonté de s'en sortir de cette crise qui a fait, rappelons-le, cette guerre qui a fait au moins 60 000 victimes? Vous savez, la première réaction qu'on ressent, c'est les gens, c'est bien sûr la peine, c'est l'émotion, c'est en même temps l'indignation, le choc, je dirais, en premier lieu. Mais j'ai été frappée de voir combien, en même temps, tous ces gens avaient le sentiment qu'ils ne devaient pas se laisser aller, en tout cas pas répondre par la violence, qu'ils avaient une espèce de défi à relever derrière ce leader qui entraînait tant de gens derrière lui, de toutes les couches du pays. J'ai vu des gens jeunes, j'ai vu des gens âgés, j'ai vu des jeunes filles habillées modernes, comme on dirait, des vieilles femmes habillées de manière plus traditionnelle. Toutes pleuraient, mais toutes avaient... Tous, je crois, ont envie de continuer dans la voie qu'il a tracée et derrière laquelle ils étaient en tout cas nombreux à témoigner aujourd'hui à Alger. Nicole Nota, selon vous, qu'attendent les Algériens de la France? Écoutez, je n'ai pas bien sûr aujourd'hui causé de cela précisément et je ne souhaite pas, vous le pensez bien, d'un côté de la Méditerranée à l'autre, faire passer des messages au gouvernement. Nous aurons d'autres occasions pour cela. Ce que je sens, en tout cas en étant ici, c'est que ce peuple est un peuple debout, est un peuple qui ne veut pas qu'on ne le comprenne pas et qui, c'est vrai, j'ai le sentiment que ceux que j'ai rencontrés se sentent aujourd'hui peut-être un peu isolés. Il y avait un petit appel au secours. Merci Nicole Nota pour ce témoignage. Vous étiez, j'en rappelle, en direct d'Alger. À l'initiative de l'ensemble des centrales syndicales françaises, un rassemblement silencieux a été organisé tout à l'heure, en fin d'après-midi à Paris, sur le parvis des droits de l'homme, au Trocadéro, en hommage bien sûr au leader de l'UGTA assassiné, mais aussi en solidarité avec les travailleurs algériens. Quelques centaines de personnes étaient présentes, parmi lesquelles le secrétaire général de la CGT. D'autres manifestations similaires étaient également prévues en province. Au Palais Bourbon, après une réunion extraordinaire de la Commission des Affaires étrangères en présence du ministre Hervé de Charette, Valéry Giscard d'Estaing, qui préside cette commission, s'est prononcé pour une participation des islamistes aux élections législatives prévues au printemps en Algérie. Il est essentiel, dans la recherche
d'une solution démocratique et pacifique par le peuple algérien lui-même, que ce parcours démocratique soit jalonné par des élections législatives prévues pour le printemps prochain. Élections dans lesquelles toutes les tendances politiques, y compris les islamistes, pourront présenter des candidats. Et où tous les dirigeants, à la seule exception de ceux impliqués personnellement dans l'organisation des attentats terroristes, pourront participer à la campagne. Le ministre allemand de la Défense peut se vanter d'avoir jeté un beau pavé dans la mare en déclarant hier soir sur la chaîne de télévision ARD que dans le document signé par Jacques Chirac et Helmut Kohl le 9 décembre dernier à Nuremberg, Paris avait reconnu pour la première fois la prééminence de l'OTAN en matière de dissuasion nucléaire. Une déclaration qui a semé une agitation certaine hier soir à l'Assemblée. Le socialiste Paul Quilès s'est indigné d'un mensonge au Parlement et il a demandé solennellement au Premier ministre Alain Juppé de venir s'expliquer dès aujourd'hui devant la représentation nationale. Réplique ce matin du porte-parole du Quai d'Orsay. Cet accord stratégique franco-allemand ne change pas la doctrine de défense de la France. Une affaire qui fait également beaucoup de bruit outre-Rhin. Manifestement, il y a deux lectures opposées du même texte. Les Français disent « pas question de s'abriter sous le seul parapluie nucléaire américain » et les Allemands disent « pas question de s'abriter sous le parapluie français ». Jérôme Catala. Vu d'Allemagne, les inquiétudes nées du fameux accord stratégique semblent comme renversées. Ce que l'on craint ici, ce n'est pas d'être trop imbriqué dans l'OTAN ou trop dépendant du parapluie nucléaire américain, c'est au contraire de s'éloigner de l'OTAN en se rapprochant trop de la France. Pour calmer ses craintes, le ministre de la Défense allemand est donc intervenu à la télévision. Selon lui, c'est Paris qui change d'orientation. Ce qui est remarquable, c'est que la France a pour la première fois signé un document dans lequel la défense nucléaire de l'OTAN est qualifiée de décisive. Et les systèmes nucléaires, anglais et français, de complémentaires. Nous avons maintenant besoin d'un dialogue au moment où la France s'approche de l'OTAN. Le ministre allemand de la Défense est un habitué des déclarations tonitruantes. Mais en l'occurrence, il semble qu'il n'ait fait que dire tout haut ce que tout le monde pense ici. On peut dire qu'il a plus ou moins raison, parce que je pense que c'est en effet l'essence de cet accord. Deuxièmement, qu'il a eu vraiment tort sur le plan diplomatique. C'est-à-dire, même si c'est la vérité, il ne faut pas forcément la dire, disons, de cette façon. En affirmant haut et fort que la politique nucléaire française avait changé, le ministre de la Défense allemand a sans doute agi peu diplomatiquement. Peut-être a-t-il également voulu indirectement obliger le partenaire français à une clarification. Le chancelier Kohl, lui, n'a encore rien dit. Jacques Chirac et Bill Clinton se sont entretenus cet après-midi pendant une demi-heure au téléphone sur le dossier de la réforme de l'OTAN dans un esprit constructif, selon Catherine Colonna, porte-parole de l'Élysée. D'autre part, les députés ont adopté cet après-midi le principe du rendez-vous citoyen qui remplacera à l'avenir le service national, mais les députés ont également voté un amendement rétablissant l'appel sous les drapeaux si la défense de la nation le justifie. En Corse, le FNLC, canal habituel, a annoncé hier soir son autodissolution lors d'une conférence de presse clandestine aux environs d'Ajaccio, en présence d'une centaine d'hommes cagoulés et vêtus de treillis militaires mais sans armes. Le peuple corse ne veut plus de la violence politique, a affirmé leur porte-parole. Le nationalisme doit désormais s'exprimer par l'action politique. Proche du MPA d'Alain Orsoni, ce groupe avait été fondé en 1990. À Nice, un attentat à l'explosif a provoqué d'importants dégâts dans un bureau de poste. Avant-hier, c'est l'agence Air France de Nice qui avait été visée, un attentat revendiqué par le FNC, canal historique. À Poissy, dans les Yvelines, les enseignants d'un collège ont décidé d'arrêter les cours tant que les travaux de sécurité ne seront pas terminés. Reportage Marie-Pierre Farkas, Jean-Louis Kérec. Pas une alerte au feu ni une simulation d'incendie. Juste la rentrée des classes, ce matin, à Poissy. Bonjour, le collège des Grands Champs, c'est pour les cours ? Depuis 7 heures, l'intendante est au standard pour répondre aux parents, la directrice du collège sur le pied de guerre. Merci. S'il y avait n'importe quel incident,
vous, en tant que personne adulte responsable, vous puissiez prévenir tout de suite qu'il y a encore un élève qui a essayé de mettre le feu. Demander aux femmes de ménage de jouer les vigiles, aux sapeurs-pompiers de surveiller la cour n'est pas dans ses attributions, mais depuis vendredi, il y a urgence. Là, je vous montre des photos du tapis de sport qui a brûlé en pleine cour de récréation vendredi 24. Donc là, on ne le voit pas bien à cause de la fumée noire, mais il y avait au moins 500 élèves dans la cour autour du feu à ce moment-là. Les portes coupe-feu, les alarmes, les extincteurs ne seront pas réparés avant lundi prochain. Dans un établissement non conforme aux normes de sécurité, peut-on continuer à assurer les cours? Le maire a dit oui, les professeurs s'interrogent. Nous, on a dit que tant qu'on n'avait pas d'avis positif de la commission de sécurité, comme quoi l'établissement était aux normes, on ne reprendrait pas le travail. On n'a jamais vu d'établissement fonctionner avec les pompiers dans la cour, avec des travaux partout dans l'établissement et avec des élèves qui régulièrement canardent de pierre et détruisent des véhicules qui sont étrangers à l'établissement. C'est pas possible. Non, mais très bien, j'ai donc votre réponse. Donc, vous êtes en grève, j'informe les autres. Mais si! Les élèves ne sont venus ce matin que pour une heure de permanence sous la surveillance des appelés. La directrice, après 12 ans de banlieue, croit toujours à son métier. Les professeurs ne veulent pas la grève, mais de bonnes conditions pour enseigner. C'est l'histoire banale d'un jour presque normal et tranquille, à Poissy. À Brest, plusieurs centaines de manifestants occupent depuis hier un étage de la mairie afin de protester contre le projet de cette municipalité de fermer 14 écoles maternelles et primaires d'ici 1999. À Brest également, 20 000 manifestants selon les organisateurs, 12 000 selon la police, ont défilé aujourd'hui dans les rues pour exiger le retrait du plan de restructuration de l'arsenal militaire. Une soixantaine d'organisations, si bien syndicales que patronales, avaient appelé à cette manifestation. Hervé Guémard, secrétaire d'État à la Santé, s'est prononcé aujourd'hui pour un dépistage ciblé de l'hépatite C, une maladie mal connue qui peut être grave et mener au cancer du foie. Françoise Vallée. En France, 600 000 personnes seraient touchées par l'hépatite C, mais 85% d'entre elles ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus. Un virus isolé en 89 et pour lequel il existe maintenant un test qui sera désormais proposé à toutes les populations à risque. Parmi elles, les personnes transfusées avant 1990, avant que le test ne soit effectif. Autre population à risque, les toxicomanes. Pour eux, les distributions de seringues à usage unique seront désormais accompagnées d'une information. L'autre possibilité de contracter le virus, les établissements de santé, publics ou privés, sont particulièrement visés les examens d'exploration interne comme l'endoscopie. Il faut que ces mesures qui ont été décidées soient contrôlées au plus proche du terrain pour qu'elles soient effectives. Alors, qui contrôle? Ce sont les médecins inspecteurs de santé publique pour les établissements de santé. Quant aux cabinets privés, des négociations sont en cours pour les sensibiliser et les contrôler. Un numéro vert pour tenter d'élucider un crime. C'est une grande première en France, initiative lancée par un Lillois 3 ans après l'assassinat de sa mère. Reportage Anne Mourgue, Dominique Mas. Un numéro vert pour obtenir des informations, c'est un véritable appel à témoins que lance Eric Raffa. Il propose même une prime de 100 000 francs pour tout indice permettant de retrouver le meurtrier de sa mère. 3 ans d'enquête de police n'ont rien donné. Révolté, il a décidé de prendre les choses en main. Alors ce que je voudrais que le meurtrier de ma mère sache, c'est que j'y passerai le temps qu'il faut, je mettrai tous les moyens en œuvre pour le retrouver, qu'il ne passe pas des nuits tranquilles, qu'il sache qu'il peut se retourner à n'importe quel moment et que je serai là pour le retrouver un jour ou l'autre. C'est dans cette maison, à quelques kilomètres de Lille, que Colette Russiac a été sauvagement assassinée avant d'être mutilée. Crime crapuleux, sexuel, règlement de compte, le dossier est vide. Avec ce numéro vert, son fils espère trouver de nouvelles pistes. Il pense que des témoins pourraient lui parler plus facilement qu'à la police. Et je pense que je serai certainement amené à rencontrer des gens qui vont vouloir m'exposer leur témoignage sans passer par le téléphone, puisque c'est quand même impersonnel le téléphone, et qui préféreront, pour un souci de discrétion ou d'anonymat, me rencontrer plutôt que l'exposer au téléphone. Mais je suis prêt à le faire. Un appel à témoins controversé. Les professionnels de la justice sont sceptiques quant aux résultats, souvent inquiets quant aux dérives possibles, en particulier la tentation de se faire justice soi-même. Qu'il participe à l'enquête et qu'il fasse ce qui est en son pouvoir pour apporter des informations aux enquêteurs, oui, mais il doit s'arrêter là. Et c'est pas à lui de poursuivre l'enquête et de bien sûr se faire justice si jamais il avait des indications plus précises.
Eric Raffa affirme qu'il ne tombera pas dans ce piège. Il veut juste connaître l'assassin, que le meurtre de sa mère ne fasse pas partie des 12% d'affaires pénales jamais élucidées. La loi sur le financement des campagnes électorales oblige. Les candidatures doivent être bouclées un an avant les législatives prévues en principe pour le printemps 98. On s'active donc beaucoup dans tous les états-majors politiques pour mettre un nom en face de 577 cases. Il faut faire de la place pour les candidats teux, pousser vers la sortie les sortants, trop âgés et ménager les alliés. Pour la première fois, vous allez pouvoir découvrir comment cela se passe réellement de l'intérieur avec cette enquête de Guylaine Chenu et Jeff Wittenberg au PS et au RPR, les coulisses de la grande cuisine électorale. Les Ardennes, une sur trois, la une. On acte la 5 en plus dans le Calvados. Alors, on passe à la 19e, sortant Carpentier PC. 21e, Borloo. J'espère faire 53,5 dans cette élection. Ouais. C'est le langage électoral. On le parle couramment dans les états-majors. Au PS, le maître des investitures, c'est lui, Daniel Vaillant. Dans la Corrèze, la 3. Il est l'expert de Lionel Jospin. À table, il négocie avec les courants du PS, fabusien et rocardien. Pas de nom, pas de candidat. 3, 4, 6, 8. Juste les numéros des circonscriptions et tout le monde se comprend. Au PS, tous les espoirs sont permis. Avec seulement 63 députés, il y a des places à prendre, dont un tiers pour des femmes. Alors on négocie tout le temps et partout. Je pense qu'on ne parviendra pas, si tu veux, à convaincre les socialistes de la Haute-Saône de faire de Lallouet le candidat unique. C'est ça le problème, si tu veux. Non, j'ai pas eu de nouveau, j'ai essayé d'avoir Georges Sarr ce matin. Pour trouver le bon candidat, pas d'ordinateur et faute d'argent, pas de sondage. Au PS, on ne croit pas à la science électorale, on parle plutôt d'alchimie. Avec ses 259 députés, le RPR, lui, part de haut aux prochaines législatives. 93 avait été un creux exceptionnel, 98 sera rude. Le choix des hommes est capital. C'est l'objet des commissions d'investiture. Les aspirants candidats y passent une sorte de grand oral. On se prépare, je ne vais pas dire qu'on se prépare physiquement, mais psychologiquement. On est tendu comme avant un examen? Oh non, je pense pas. Non, pas du tout. Pourquoi on serait tendu? Dans les rôles d'examinateurs, Jean-François Mancel et Patrick Stefanini, numéro 2 et 3 du parti. Dans le rôle de l'expert, Frédéric de Saint-Sernin, spécialiste en sondage. On se posait un petit peu la question de l'avenir d'Alain. C'est un excellent député, mais on voulait le vérifier au travers d'une étude qu'on a faite dans une situation qui n'était pas simple, c'était au mois de novembre. L'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle montre d'abord la notoriété, ta popularité, qui est quand même très forte, puisque tu dépasses... Ne rougis pas trop quand même. Vous n'avez attention. Ok, bon, votre avis. Mais écoute, tu repars avec un soutien total de tous tes compagnons. Bonne raison de la graine, hein. Alain Poyard revient donc sur ses terres du Nord avec le brevet de ses chefs. Seul problème, il aura un concurrent sur sa droite, Joël Villemotte, un jeune maire qui monte et qui espérait lui-même être choisi par le RPR. Au niveau du mouvement gaulliste, d'un côté, Villemotte les intéresse, et puis les intéresse par rapport à ce qu'il fait passer comme message sur le Nord et dans la 24e circonscription, donc le reste... Ah, vous ne serez pas candidat pour le RPR? Bon, est-ce qu'il faut une étiquette pour être candidat et pour être élu? À voter. Au PS, pas de grand oral pour départager les candidats, ce sont les militants qui votent. Entre François Lamy d'un côté et Gérard Funès de l'autre, il n'y a qu'une différence de style. Dans l'Essonne, ce soir-là, les socialistes choisissent. C'est donc François Lamy qui sera proposé pour l'investiture des socialistes à la Convention fédérale et à la Convention nationale. Je ne serai pas candidat en 98. J'espère que les militants ont fait le meilleur choix. Moi, je suis plutôt heureux. Je pense qu'on part, on prend le bon chemin pour une bonne campagne. Quoi. Frédéric de Saint-Sernin, Daniel Vaillant, chacun sa méthode, ses grilles de chiffres jalousement tenues secrets, chacun ses ambitions. Combien de députés vous espérez en 1998? J'en espère 260, c'est-à-dire un de plus de ce qu'on a actuellement, mais c'est une vision un petit peu trop optimiste à mon avis des choses. Plus de 200 en tout cas. On ne travaille pas actuellement sur des simulations, sur des résultats à venir dans des élections législatives qui ont lieu dans un an. Ça ne nous intéresse pas. L'un comme l'autre ne sont jamais très loin de leur patron, Lionel Jospin ou Alain Juppé. Ils sont aujourd'hui des adjoints indispensables car le chemin des élections passe par eux. Bernard Kouchner a annoncé au micro de RMC qu'il renonçait finalement à être candidat pour ces législatives.
Le porte-parole du Parti radical socialiste espérait bien être candidat en Moselle, mais les militants socialistes ont fermement récusé cette candidature. En Inde, les cendres du Mahatma Gandhi ont été immergées aujourd'hui dans le Gange, 49 ans après la mort du père de la nation indienne, Patricia Coste. C'est l'arrière-petit-fils de Gandhi, que l'on voit ici, qui a retrouvé après 49 ans une partie des cendres de son illustre ancêtre. Il porte religieusement le sac qui les contient et va les jeter dans le Gange, le fleuve sacré, au cours d'une brève cérémonie. Mais comment ces cendres ont-elles pu se perdre? En fait, elles avaient été réparties après la crémation du Mahatma entre tous les états de l'Inde pour y être livrées au fleuve du pays. Mais l'une des urnes a été conservée pour des raisons inconnues dans le coffre d'une banque d'un de ces états. Rappeler la mémoire de son arrière-grand-père, c'était le but de son petit-fils. À l'époque, des foules immenses accompagnaient dans sa croisade non violente pour l'indépendance de l'Inde, Gandhi, amaigri par les luttes, les jeûnes et les emprisonnements. Assassiné par un fanatique hindou qui lui reprochait de ne pas avoir empêché la séparation du Pakistan, Gandhi avait eu des funérailles grandioses. Aujourd'hui, seulement 2500 personnes ont assisté à la cérémonie du souvenir. Le Premier ministre, qui avait promis de venir, ne s'est pas déplacé. Un politicien, qui avait assisté aux premières funérailles, a estimé que Gandhi avait perdu son pouvoir d'attraction. Mais l'arrière-petit-fils du Mahatma, lui, n'est pas déçu. Il veut faire revivre les idéaux de son grand-père et, dit-il, espère réussir. À Berne, un incendie spectaculaire a fait au moins un mort et des millions de francs de dégâts dans des immeubles historiques du centre de la capitale helvétique. 5 maisons du XVIIIe siècle ont été plus ou moins ravagées. Le feu a été maîtrisé par plus de 200 pompiers au bout de plusieurs heures et les sauveteurs n'excluent pas de retrouver d'autres victimes dans les décombres. Tous les pédiatres le constatent, le nombre d'enfants obèses ne cesse d'augmenter en France. À l'origine, des troubles psychologiques et une alimentation totalement anarchique. Fort heureusement, ce n'est pas une fatalité, comme en témoigne ce reportage de Gilles Marinet et Emmanuel Beck. Voilà, c'est parti, on commence par un petit peu de verdure, histoire de remplir l'estomac, et puis en plus ça fait pas grossir. Surtout ne plus prendre de poids. S'il est un élève au lycée Jeanne d'Arc qui surveille le contenu de son plateau repas, c'est bien lui, Thomas. 18 ans, 1m80, 74 kg, un gabarit quasi normal. Et pourtant, il y a 3 ans à peine, Thomas était gros, obèse, et pour tout dire, mal dans sa peau. Le fait d'avoir grossi à ce point-là, bon, c'est sûr que je l'ai vécu assez mal, puisque étant un enfant obèse, on s'isole un petit peu sur soi-même, en fait. Bon, on est assailli par plein de complexes, et bon, ce qui leur tourne, c'est un enfant timide. Plutôt mince, jusqu'à l'âge de 12 ans, Thomas, qui vit mal sa puberté, devient boulimique. Rien ne peut stopper son appétit. Il pèse 81 kilos pour 1m55 lorsqu'un médecin décide de l'envoyer pour un an dans un établissement spécialisé. Là, il apprendra à se maîtriser face à la nourriture. On a des menus qui sont composés de façon équilibrée et puis on a aussi des travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on va faire, on va préparer la cuisine, on va apprendre à faire la cuisine, si bien que lorsqu'il est sorti de chez lui, il était capable pratiquement d'éduquer sa mère en ce qui concerne son alimentation. J'ai été poussé dans ce centre, j'y étais sans conviction en fait. Et une fois sorti, voyant les résultats superbes que ça avait eu, je me suis dit, je vais continuer comme ça, parce que c'est vraiment génial. Dans le cas de Thomas, toutes les tentatives de régime à domicile avaient échoué. Sa dernière chance, c'était le centre spécialisé en France. Il n'en existe qu'une dizaine. Si l'on en croit un sondage Ipsos, 61% des Français affirment connaître une langue étrangère et 30% la parler couramment. Incredible but true, incroyable mais vrai, ai-je besoin de traduire? Perhaps the French people is a little bragging, vantard. Des chiffres en tout cas trop polyglottes pour être honnête. Reportage au salon Expo Langue, Chantal Kimmerlin, Daniel Lévy. Même au soi-disant pays du parfait bilinguisme, entendez le Canada, certains ne sont pas vraiment bilingues. Isn't it? Excuse me, you could say me something in French? I don't speak French. Bon, merci madame. Pour être canadienne, vous n'en êtes donc pas vraiment bilingue, même si certains soutiennent le contraire. Au Canada, normalement, si tu es bien élevé et un bon petit gars, tu réponds à la personne dans la langue qu'elle t'approche. Est-ce que vous croyez vraiment que les Français sont des bons bilingues? Oui, mais je pense que les Français aiment bien faire des farces, hein? Et un peu se faire des accroîtres. Comment? Nous, pas bilingues, ce n'est pourtant pas par manque d'effort. Par exemple, busco para buscar una palabra que te voilà, tengo la palabra démarche en français.
et en espagnol, me dan pasos. En 5 jours, Expo Lang accueille 35 000 Français. Toujours plus depuis 15 ans, toujours plus de films, de cassettes, de CD-ROM. Vous êtes chez vous, dans votre salon. C'est l'explosion technique, mais toujours pas la perfection linguistique, selon nos amis étrangers. Le texte. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage qui dit que 61% des Français sont d'excellents bilingues? Je pense que c'est faux. J'y crois pas. J'y crois absolument pas. J'émets quelques doutes pour la simple raison, c'est que le bilinguisme en la matière n'est pas défini. Je crois que non, parce que j'entends plutôt parler français parce que vous avez l'orgueil de votre langue. Alors, pour simplifier les relations internationales, certains avancent une solution. Oui, elle n'a pas... L'espéranto qui leur ouvrira le monde entier, je l'ai vécu, c'est pourquoi je peux en parler avec amour et ferveur. Oui, mais voilà, espéranto ou pas, il faut quand même l'apprendre. Ce pourrait être une nouvelle version des oiseaux, cher Hitchcock. Cela se passe en Italie, mais cette fois le scénario est différent. Le rapace, un Milan, s'est pris d'une folle affection pour un jeune enfant, José Blanc-Lapierre. Aux grands espaces, c'est la ville que ce rapace préfère. Qu'importent les murs de béton, l'animal poursuit son rêve. Loin de son territoire de chasse, son univers se limite à cette tour. Comme un amoureux transi, sa vie se borne à attendre. Mais dès que l'enfant paraît, le Milan déploie ses ailes d'1,5 mètre d'envergure et se précipite sur le petit bonhomme. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, le Milan attrapait mes cheveux avec ses serres. Et d'un pont. Preuve d'amour ou intérêt, quand on a 7 ans, on préfère voir les serres du charognard dans les livres. Le petit garçon n'ose plus sortir de chez lui. D'après ce spécialiste de la faune sauvage, les rapaces n'attaquent pas l'homme. Pas de danger donc pour l'instant pour le petit garçon. Ce que le Milan lui demande en fait, c'est tout simplement à manger. Le cas d'un oiseau déniché très jeune, élevé seul de son espèce par une personne humaine, elle s'identifie à cette personne qui est le parent nourricier. Donc pour elle, son image parentale, c'est la personne humaine. Élevé par des humains, l'oiseau ne connaîtrait donc pas ses semblables. Lâché dans la nature, il n'aurait aucune chance de survie. Pire, pour l'enfant, le Milan amoureux pourrait devenir dangereux au moment de la saison des amours. La cage serait donc le seul avenir possible pour ce rapace qui a eu un seul tort, être élevé parmi les hommes. À Gérardmer, la perle des Vosges, toute une ville vit à l'heure du fantastique pour le 4e festival du film du même nom. Soirée d'ouverture hier avec John Malkovich, le héros de Fantôme contre Fantôme. Reportage Stéphane Aumont, Daniel Lefebvre. Je déclare le 4e festival de Gérardmer Fantastic Arts ouvert! Pas de doute, le réalisateur anglais Ken Russell est bien réel en président de jury. Mais quand la nuit tombe au cinéma, c'est un peu comme dans la vie, les revenants sont sortis. Un film d'ouverture intitulé Fantôme contre Fantôme, ça ne se rate pas. Madame Waterhouse! Madame Waterhouse! Oh, oh, bordel de merde, celui-là a fait peau peau! Oh, éloigne pas de moi! Comment une chose aussi petite peut sentir aussi mauvais? Madame Waterhouse! C'est sûr que ce n'est pas le genre de film que je préfère, mais c'est plein d'imagination, c'est vrai. Et puis c'est un drôle de mélange entre des styles différents. Le film est un cocktail de fantastique, d'humour et d'horreur. Michael Fox, héros de la trilogie Retour vers le futur, revient ici en médium très romantique et un peu escroc. Hey Stuart, tu entres ou tu sors? Comment vous l'avez trouvé ce film? Très bien. Pourquoi très bien? De bons effets spéciaux, tout ce qu'il faut, une bonne histoire. Très bien. Je n'ai pas tellement l'habitude de voir ce genre de film. Oui. Hein? Ça vous a fait peur ou ça vous a fait rire? Non, ça m'a fait rire par moment. Quand la soirée d'ouverture s'achève, les choses sérieuses commencent pour le jury. Sept films à visionner d'ici dimanche et un prix à décerner. En attendant, l'aube se lève, il est vraiment grand temps d'aller se coucher. Le Vendée Globe avec des nouvelles toutes fraîches du leader de cette épreuve, Christophe Auguin, qui vient de repasser l'équateur et qui est toujours dans les temps pour battre le record du Tour du Monde à la voile en 100 jours. Claire Reynaud.
Rentrer dans l'hémisphère nord en voilier, c'est un peu comme remonter l'autoroute du Sud à la fin du mois d'août. C'est le retour à la grisaille, le retour au bercail. Une perspective déprimante pour les vacanciers, une sensation très grisante pour Christophe Auguin. Ah ben, l'équateur, c'est marrant parce que la sensation, c'est la première fois que ça me fait cette sensation de en rentrant dans l'hémisphère nord, un petit peu comme quand on rentre dans sa rue ou dans son village, alors qu'on a fait un long voyage en voiture, qu'on a l'impression d'arriver un peu chez soi. Et c'est la première fois que ça me fait cette sensation-là. C'était un peu étonnant, donc je me sens un peu chez moi dans l'hémisphère nord. Après déjà 88 jours en solitaire, soit quelques 2120 heures de tête-à-tête avec l'océan, on comprend que le skipper soit légèrement impatient d'en terminer, même si le retour à la civilisation lui procure quelques appréhensions. La solitude, j'ai quand même ma dose, là. Ça suffit maintenant. Là. Les derniers jours sont longs parce qu'on a envie d'arriver. Enfin, moi, j'ai vraiment très envie d'arriver. Ce qui est étonnant, c'est que cette course, c'est un peu une parenthèse dans une vie. Puisque je suis parti, il y avait la foule sur le quai. Je vais revenir, il y aura peut-être la foule encore. Donc, c'est un peu une parenthèse dans une vie. J'aurais l'impression d'avoir vécu une journée, finalement, qui a eu une longueur infinie. Le crépuscule de cette interminable journée est prévu aux alentours de la mi-février. Et c'est peut-être sur la ligne d'arrivée que Christophe Auguin aura affronté les éléments les plus déchaînés de la course, puisqu'un raz-de-marée humain devrait déferler sur les sables d'Olonne pour l'accueillir en héros. Un mot pour saluer l'unique femme toujours en course officiellement, Chabot, Catherine, cinquième de ce Vendée Globe à 5200 milles de Christophe Auguin. Demain dans les 4 vérités à 7h50, Gérard Leclerc recevra une autre femme d'exception, Laurence Laferrière, la première française à avoir atteint le pôle sud à pied. 57 jours de marche par moins 50 degrés centigrades. Dernier journal, Philippe Lefebvre, vers minuit 30. Dans quelques minutes, envoyé spécial, le magazine de Paul Nahon et Bernard Benyamin, avec entre autres ce soir un reportage sur le château Margaux à propos pour Paul et Nanar n'ont toujours pas arrosé leur set d'or. Le dicton météo prend garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine, des précisions dans un instant en compagnie de Sophie Davant. Ensuite, le point route, Valérie Maurice. Demain à 20h, vous retrouverez Daniel Bilalion. Excellente soirée, merci.